Salut à tous, c'est Suzy, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler d'un mode qui permet de mendier dans les Sims. Et oui, maintenant c'est possible avec ce mode. Je vais vous montrer un peu en détail ce que ce mode rapporte au gameplay des Sims. Alors ce mode, je l'ai découvert sur la chaîne de Lumi. Franchement, cette créatrice de contenu, de création de Sims, tout simplement, elle fait de très très bonnes vidéos. Je vous mets sa page juste ici. Voilà, en voyant sa vidéo il y a un ou deux jours, ça m'a donné l'envie de faire un petit let's play. Sur ce mode, histoire de bien voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut développer et tout. Allez, c'est parti, trêve de blabla, on se retrouve directement dans le QS histoire de vous présenter cette charmante petite Sims. Alors voici notre chère Ella. Elle a la poisse, voilà. J'ai voulu faire le jeu de mots à peu près comme Loni. Donc je l'ai mis comme inspiration de devenir très riche. Et je l'ai mis comme trait de caractère exigeante et kleptomane. Parce que oui, elle sera appelée à voler aussi pour survivre. C'est une ado qui a eu une adolescence normale. Et son papa était déjà mort il y a déjà des années. Elle était restée avec sa maman. Mais sa maman était tombée gravement malade suite au décès de son père. Et sa maman n'a pas tenu le choc. Et voilà, elle est morte il y a très peu. Donc maintenant, elle se retrouve toute seule à se gérer, à se prendre en charge. Donc voilà, c'est un peu brutal dit comme ça, mais bon. Je verrai si je fais un petit machinima pour vous montrer un peu plus la vie de Ella. Donc on verra ça au fur et à mesure. Donc voilà, je vous présente sa tenue quotidienne. Je la trouve plutôt bien. Elle est punk, elle est bien quoi. Elle est un peu, ça fait un peu genre gothique avec les collants là et tout. J'aime beaucoup. Je lui ai créé aussi une deuxième tenue pour que ça puisse être un peu plus chill. Genre quand il fait un petit peu chaud. Quand il fait un petit peu, pas trop chaud mais un petit peu, vous voyez un peu. Genre le temps un peu agréable. Donc voilà ces deux tenues. Donc nous avons ici la tenue habillée de notre chère Ella. Petit short, petit haut ouvert et tout. Petites chaussures, sandalettes et tout ça. Juste ici, nous avons la tenue de sport de Ella. Je la trouve plutôt mignonne, plutôt simple pour une ado quoi. Ventre ouvert et tout. Petite veste, petit jogging. Juste ici, nous avons la tenue de pyjama. Donc je lui ai créé deux tenues. Voici la deuxième tenue quand il fait un peu plus chaud. Voilà, t'as pas envie. T'as pas envie de mettre ce gros pull. Voilà. Juste ici, nous avons la tenue de fête de Ella. Juste ici, nous avons sa tenue de maillot de bain, sa tenue temps chaud. Et voici enfin sa tenue temps froid. Voilà. Un peu incognito, un peu stylé. Ah oui, j'avais oublié de vous préciser qu'elle a des piercings. Bon, je pense que vous avez vu, hein. Elle a des piercings. Je lui mets un CC coiffure comme ça. Je trouve que c'est assez joli parce que je mets jamais de CC court. De cheveux courts, donc voilà. Voilà son petit vernis et je lui ai mis ce CC aussi de cils là. Bon, sans plus attendre, on va commencer. Allez, ça y est, voici notre petite Ella. Je vais vous présenter le coin là où elle squatte. Donc ici, comme vous le voyez, on a la salle de bain, le lavabo, les toilettes. Juste là, nous avons le petit la petite voiture cassée, abandonnée, détruite. Ici, nous avons une petite fontaine, là aussi. Un chevalet pour peindre. Juste ici, nous avons un petit côté fête, un petit côté musique pour la détente. Et juste ici, comme vous pouvez le voir, il y a les valises de Ella. Je trouvais ça plutôt réaliste de mettre ces valises juste là quoi. Et ici, il y a une petite tente, petit coin jardinage juste ici. Voilà, un petit banc et tout, et un petit meuble pour fabriquer des objets. Et juste là, nous avons le plan de travail, un petit barbecue et un mini frigo. Juste ici, je comprends pas pourquoi à chaque fois dans mes parties, je me retrouve avec beaucoup de points de satisfaction, sachant qu'il faut aller dans les récompenses, ici, activer le trait de caractère mendiante, comme vous pouvez le voir juste ici. Ah, elle s'occupe de son petit jardin. Ok, occupe-toi de ça. Je pense que là, bientôt, on va pouvoir commencer à mendier les gens. Après, quand elle aura fini de faire son petit jardin, je trouve ça vraiment plutôt cute. Ce petit terrain là. Ah oui, il y a du... Ah mais ils sont tous en train de se barrer là. Non, restez ici. Présentation chaleureuse. Allez ma bichette. Hé, tu vas te faire écraser. J'ai eu peur. J'ai eu trop peur. Allez, accélère un petit peu. Fais ta présentation chaleureuse.
Non, mais pars pas, reste ici. C'est comme s'ils se disent, oh là là, elle, c'est sûr, elle va venir me demander de l'argent. Hein. Donc voilà, allez, dépêche-toi. Non, mais je m'en fiche, dépêche-toi, donne-moi de l'argent là. Viens ici là, je t'ai dit. On fait mendier de l'argent. Tu vas pas fuir aujourd'hui, tu vas me donner de l'argent. Elle a acquis la compétence mendicité. Philippe Burke, même pas en rêve. Tu te prends pour qui toi? Attends, je vais un peu l'agresser là. Elle m'a vénère. Lui aussi, on va lui demander. Attends, reste là. Ne reste pas sur ce vieux mec là. Laisse-le. En plus, on a fait une présentation chaleureuse. Donc je vois pas en quoi on n'a pas été aimable. Présentation chaleureuse. Ensuite, après, tu fais mendier. Mais arrête de me parler, toi. C'est bon, je veux plus parler avec toi. Oh, elle refuse. Wesh, les gens, ils sont pas sympas ici, hein. Allez, t'inquiète pas, ne perds pas espoir. Tu vas trouver quelqu'un pour te dépanner un peu de sous. J'espère qu'elle va accepter. Allez, dis-moi que t'acceptes, s'il te plaît. Oh mon dieu, elle va refuser. Oh là là. Mais les gens ici sont vraiment. Ah non, elle a accepté! Catherine, tiens ma pauvre, j'espère que ça t'aidera. Elle a obtenu 9 simflouz. Ah ben merci ma belle, t'es trop gentille. Allez, lui aussi, allez, on va lui demander là. Ah ben merci, 9 simflouz, bon, c'est un début. Le début de la richesse. Ouais, il me semble qu'on ne peut pas demander aux enfants. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Bonjour. Allez, mendier de l'argent. Allez, dis-moi que tu acceptes, s'il te plaît. Oui, il accepte. Akila. Tiens, ma peau, j'espère que cela t'aidera. On a obtenu combien? Je crois 10 simflouz, hein. Ou 11. Enfin, je sais plus. J'ai pas vu. J'ai pas eu le temps de voir. Je le verrai au moment du montage. Ah, mais c'est trop bien. On a gagné de l'argent. 17 simflouz. Attends, est-ce qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui peut nous dépanner un peu d'argent? Tiens, lui, là. Présentation chaleureuse. Allez, présente-toi calmement. Oula, c'est quoi ça? Ça doit être un CC qui bug là. Est-ce qu'il accepte? Allez, 8 simflouz. Merci. Tiens, ma pauvre, j'espère que cela t'aidera. Allez, présentation chaleureuse. Et après, tu mendies de l'argent. Et je pense qu'après, on va quitter un peu le terrain histoire de demander un peu plus de gens. Est-ce qu'elle a accepté? Oui, elle m'a donné 5 simflouz. Merci à toi. Oh, c'est super. Là, pour le moment, je tombe que sur des gens sympas. Et lui, là, présentation chaleureuse. Allez, va vite te présenter à lui. Au moins, ça augmente le social, quoi. Oula, c'est quoi cette tenue, monsieur? Allez, mendier de l'argent. Je trouve que ce mode aussi, il est plutôt bien. Oh, il a donné 9 simflouz. Merci beaucoup à toi. C'est bien aussi de pouvoir aussi aider les personnes en situation très difficile. Bon, je pense qu'on va bouger. Il y a elle là. Est-ce qu'elle voudra me donner de l'argent? J'espère qu'elle va accepter. Allez, mendier de l'argent. Allez, 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 mendie tout ce que tu peux. Je crois qu'elle a accepté, les gars. Oui, elle m'a donné 9 simflouz. Ok, merci beaucoup à toi. Par contre, elle est grave aigrie. Hein. Bon, je pense qu'on va un peu bouger dans la ville, histoire d'aller demander un peu plus de gens. Allez, on va aller au parc. Oui, vous avez vu, j'ai changé d'écran de chargement. Il est trop beau. Franchement, il me reflète vraiment beaucoup. Voilà, on est arrivé au parc. Est-ce qu'on peut pêcher ici? Si, on peut pêcher. Allez, hop, elle va aller pêcher un petit peu. Ah, mais je vois qu'il y a déjà du monde là. Attends, elle va pêcher un petit peu et puis après, comme ça, elle pourra aussi se faire un peu à manger. Allez, ma belle, attrape-nous quelque chose là. Oui, elle a attrapé un truc. Elle a attrapé un nouveau poisson. Gumpy. Ok, bon, tu vas arrêter. Tu vas faire présentation chaleureuse. Mais non, mais arrêtez de vous barrer à chaque fois quand je viens vers vous quand même. Allez, madame, présente-toi. Allez, mendier de l'argent. J'espère qu'il va accepter. Bon, allez là. Non, mais franchement, bah, si tu voulais pas nous aider, fallait directement partir. On voit pas les. Ils ont quoi à partir tous là? J'ai vraiment une tête de la poisse comme ça ou quoi? Mendie de l'argent, s'il te plaît. Mendie là de l'argent, s'il te plaît. Elle fait quoi là? Mais non, on va pas t'asseoir. Oh là là, me saoule. Viens mendier de l'argent, s'il te plaît. Ah, elle, je crois, elle a refusé. Même pas en rêve. Ok, ben, barre-toi alors. Je suis mendier de l'argent à une star. Ah, ça doit être une personnalité, ça. Une célébrité de série B. Allez, essaie de demander de l'argent, ma belle. J'espère qu'elle va donner, puisque t'as de l'argent, là, quand même. Mendier de l'argent. Dépêche-toi, madame. Oh oui, elle a accepté. C'est trop bien. C'est trop bien. Est-ce qu'elle va donner beaucoup? Seulement 7! Seulement 7 simflouz. Mais t'es une star. Mendier de l'argent. Oh, cool, elle a accepté. Merci. 5 simflouz. Allez, mendier de l'argent. Bon, lui, là, refusé, ok. Il y a qui encore dans le parc là? Il y a lui là. Allez, va mendier de l'argent à lui. Oui, je te comprends, ma belle. Il y a des gens qui sont désagréables. Elle a atteint le niveau 2 de la compétence mendicité. Est-ce qu'il va accepter? Oui, il a accepté. Allez, 10 simflouz. Oula, c'est beaucoup. Il y a qui encore? Il n'y a personne. Hein? Bon, je pense que. Ouais, je pense qu'on va retourner à la maison pour se faire un petit truc à manger. Voilà. Et puis après, je pense qu'on ira un peu au bar. On vient d'arriver à la maison. On peut se faire griller des petits trucs là. Est-ce qu'on peut se faire griller du poisson? On peut pas se faire griller un poisson? Je veux faire griller du poisson. Bon, écoute, elle va faire griller du maïs. Va griller ton petit maïs. Je sais que t'es énervée, mais bon. Qu'est-ce que tu veux là? Tu n'as pas trop le choix non plus. Allez, elle a fini. Ça a l'air vraiment très appétissant ce plat là. Prends une portion. Allez, mange, 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 ma belle. Mange, mange. Allez, voilà. Assieds-toi, tu manges tranquillou bilou. Ah là là, elle me fait de la peine. Elle s'est fait recaler par beaucoup de gens quand même. Mais attends, mais il fait chaud. Tu mets
le feu de camp là. Elle aura trop chaud. Ok, il faudrait qu'on achète une petite poubelle histoire de ranger nos assiettes sales. Allez, là tu vas ranger et puis après tu vas aller au bar. Allez, c'est parti, on va aller au bar et je pense qu'on sera de retour d'ici 21h. Ok, on vient d'arriver. Il y a déjà une personnalité ici. Je vois une très grande star. Hein. Allez, il faut que pour 21h30 on soit de retour à la maison. Voilà. Allez, essaye de demander. Oh, elle a accepté nos salutations. Oh, merci, elle a donné 8 simflouz. Mais quand même, sérieux. Tu es une star quand même, tu pouvais nous donner un peu plus que ça. Allez, on va demander à lui. Oh, yes, il a donné 10 simflouz. Allez, j'espère qu'il va accepter. Oui, il accepte. Oh là là, c'est trop bien, 3 personnes déjà. Tiens, ma pauvre, j'espère que cela t'aidera. Merci beaucoup, c'est toujours ça. Hein. Est-ce qu'il va accepter? Oui, 18 simflouz, oh là là. Allez, je pense qu'elle va allumer un petit peu la musique. Elle va mettre un peu de musique hip-hop. J'aime bien la musique hip-hop dans les Sims. Ah, mais il y a beaucoup de gens que je peux demander, là. Attends, tu vas manger de l'argent à lui aussi. Eh ben tiens, tant qu'à faire, le paparazzi aussi. Allez, est-ce qu'il va accepter? Normalement, oui. Oh, il a donné 18 simflouz. Oh là là, trop bien. Est-ce que lui, il va accepter? Normalement, oui. 12 simflouz. Merci. Oh, merci, Makoa. Allez, à qui on n'a pas déjà demandé, là? Lui, on lui a demandé? Non, on lui a pas encore demandé. Vas-y, va lui demander de l'argent. Lui, il me semble que si, on l'a demandé, non? Ouais, manger de l'argent à lui aussi. Est-ce qu'il va accepter? 2 simflouz, merci Dominique. Est-ce que lui aussi va accepter? Oui, sûrement. Il a donné 13 simflouz, merci beaucoup. Ella a réussi à voler un objet sans attirer l'attention. Cet objet se trouve dans l'inventaire du foyer. Mais je ne l'ai jamais dit de voler. Ah oui, mais oui, je vous avais dit qu'elle serait capable de voler certaines choses parce qu'elle est kleptomane aussi. Allez, on va manger de l'argent à elle aussi. Eux, on a déjà demandé, donc je pense pas que ce sera pour tout de suite. Et lui, là aussi, on peut lui manger de l'argent. Est-ce qu'elle va accepter? Oui, elle accepte. 16 simflouz, merci beaucoup. Ça nous fait déjà 180. 9 simflouz. Donc après on va aller aux toilettes. Oh, elle a accepté, elle a donné 20 simflouz. Oh merci. Elle a atteint le niveau 3 de la compétence mendicité. Oh merci. Franchement, merci beaucoup. Il est déjà 22h, faut rentrer. On verra pour demain. Désolé les gars si vous entendez des bruits de bébé. Hein. Vous savez déjà que je tourne avec ma fille et c'est assez compliqué de tourner quand elle est pas là quoi. Bon voilà, on rentre à la maison et on se revoit tout de suite. Allez, ça y est, on est rentré à la maison. Tu vas aller directement aux toilettes. Ensuite, après, tu vas appeler quelqu'un avant d'aller dormir. Discuter avec qui? Allez, tu vas discuter avec Sarah Robert. Ah, ils sont en train de dormir. Ah, d'accord. Bon, du coup, je pense qu'elle va aller directement dormir. Hein, ouais. Et après, je pense qu'on se retrouvera le lendemain. Allez, ça y est, Ella est debout. Ah oui, mais oui, je suis bête. J'avais oublié qu'elle a un évier. Puis elle va aller prendre un petit bol de céréales. Allez, tu vas prendre un repas rapide. Tu vas prendre des céréales histoire de bien manger, débuter la journée. Parce que, ah oui, j'avais oublié qu'il y avait une plante vache là, juste là. Allez, bichette, mange un petit peu. Et après, tu vas aller te laver. On va changer de quartier hein, parce que sinon, c'est trop facile. Oui, tu as raison, le matin il fait assez froid. Donc, voilà, pourquoi pas mettre un petit feu de camp. Allez, va te laver, ma choupette. Elle prend sa petite douche. Allez, on va accélérer un peu le temps parce qu'il est déjà. Ah, mais j'avoue. Bien qu'elle devait aller au lycée, la meuf. En plus, elle a même pas fait ses devoirs. Oh là là. Tu sais quoi pour aujourd'hui? On va pas y aller. Oui, on va sécher l'école aujourd'hui. Ouais, je pense qu'elle va plutôt sécher les cours. On va aller dans un autre quartier pour pouvoir mendier. Oui, je sais, ma chérie, t'es blasée, mais c'est ta nouvelle vie maintenant. Allez, elle va aller au quartier des épices. Du coup, elle va prendre le bus. Donc, je vais un peu réduire l'argent histoire que ça soit un peu plus réaliste. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Ça y est, on vient d'arriver. Oula, mais lui là, on le croise partout, lui, genre. Allez, on va encore lui mendier de l'argent. Allez, 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 dépêche-toi. Mais va lui mendier. Allez, va lui mendier. On l'avait vu là-bas, au bar à côté de chez nous là. Est-ce qu'il va accepter? Oui, il a accepté. Il nous a donné 18 simflouz. Ici, il n'y a personne. Ce serait bien qu'on ramasse le maximum d'argent pour qu'elle puisse commencer à se construire un petit truc pour pouvoir survivre. Et tu vas aller mendier de l'argent à elle. Ensuite, il ira de mendier aussi à elle. Ah oui, j'avais oublié qu'il fallait... Elle a donné 24 simflouz. Merci, ma belle. J'avais oublié qu'il fallait enlever l'argent du bus. Donc, je peux dire que... Ah, j'ai eu... j'ai eu 27 simflouz en plus. Ah ben, merci. Donc, du coup, vous avez vu, j'ai enlevé 3 simflouz. Donc, oh merci, franchement, les gens, merci beaucoup, je vous adore. Allez, tu vas demander aussi à lui après. Merci, 25 simflouz. On en est maintenant à 300 simflouz. Tu vas demander à lui aussi. Et lui aussi va accepter. 22 simflouz, merci. Oh, c'est trop sympa. C'est bien sa main chez nous. Est-ce qu'elle pourrait pas venir vivre ici? Qu'est-ce que vous en dites, les gens? Ici, c'est Marcus. Allez, viens, tu vas lui mendier de l'argent. Ah oui, il faut qu'elle manque de son social, elle. Là. Pour aujourd'hui, on va dire que voilà, elle va pas aller à l'école. Hein. Elle a trop de choses à faire, trop de problèmes à gérer et tout. C'est assez compliqué.
Est-ce qu'il va accepter? Oh, il a donné 18 simflouz. Merci. Et lui, on peut lui demander. Elle aussi, on va lui demander. Merci. 29 simflouz. Ok, c'est plutôt pas mal. 33 simflouz. Merci. Ça fait 402 simflouz. On va commander quelque chose à manger. On va lui prendre des chips. Mais non, tu vas pas tenir le bar. Qu'est-ce que tu fais? T'as même pas de compétences dans ça. Ça va pas, non? Allez, demande-lui des chips là. Est-ce que lui, on l'a déjà demandé? Non, je pense pas. Hein. Non, on va lui demander aussi. Allez, mange tes petites chips. Tu vas aussi faire connaissance avec ce cher monsieur. Comme ça, ça va augmenter. Oh, 25 simflouz, merci beaucoup. Ça va augmenter ton social. Tu vas faire une présentation chaleureuse. Voilà, elle a fini ses petites chips. Discute un peu avec les gens. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on demande à une personne, on ne peut pas directement redemander. Parce que sinon, après, ça fait trop. C'est pas trop réaliste, quoi. Maintenant, est-ce qu'elle, on lui avait demandé? Non, on lui a pas demandé. On va lui demander tout de suite de le faire. Elle a donné 32 simflouz. Ok. Allez, continue de parler avec elle. On va être drôle avec elle. Toc toc qui est là. Ah, mais faut qu'elle se calme. Après, elle va être trop hystérique. Et puis après, elle va encore mourir. Là. Elle, il me semble qu'on lui avait demandé, mais elle avait refusé. Je veux bien tenter encore une fois. Elle aussi, on va demander. Lui aussi nous avait refusé. On va lui redemander. Espérons qu'elle accepte. Oh là là, les paradis, barrez-vous là, c'est bon là. Laissez cette pauvre dame tranquille. Oh, elle a accepté. Oh, merci Julia. Tiens ma pauvre, j'espère que ça, cela t'aidera. Merci à toi ma belle. Mais je pense que pour la première fois, elle avait mauvaise impression que de nous. Lui là, c'est non. Je veux bien continuer l'œuvre avec elle. Ça a l'air super bien de faire ça, je l'ai jamais tenté moi. Si, hein, je crois aussi dans un de mes let's play, mais j'avais pas vraiment fait attention. Bah écoute... Elle va faire ça, là. Trop mignon comme action. Allez, finis ton meilleur dessin. Ah, mais elle, on lui a pas demandé. On peut lui demander de l'argent, ouais. Est-ce qu'elle va accepter? Non. Il me semble qu'elle a pas accepté, non? Oh, elle a accepté. 21 simflouz. Oh, merci, ma belle. Je pense pas que pour cet épisode, on aura... Oula, merci de rentrer dans ma Sims. Je ne pense pas que pour cet épisode, il y aura une rénovation, tout ça et tout. Bon, allez, continue de parler un peu avec elle. Ça augmente ton social. Bon, elle s'est barrée. Tu vas aller aux toilettes. C'est bon, tu vas arrêter. Il n'y a pas des toilettes pas loin, là? Allez, dépêche-toi, madame. Là, on va économiser de fou. Va aux toilettes. Mais pourquoi elle veut pas aller aux toilettes? Il y a quelqu'un dans ses fichiers toilettes? Bon, écoute, ça veut pas marcher. Ah, ce serait bien qu'on prenne la fiche, là. On peut pas. Oh, regardez. Il y a des gens à qui on doit demander de l'argent. Allez. Non, moi, je veux pas participer. Non, elle a donné 17 simflouz. Elle aussi, on va lui demander de l'argent. Est-ce qu'elle accepte? Oui, elle a donné 32 simflouz. Merci, ma belle. Oui, elle accepte. Oh, c'est trop bien, franchement. J'aurais dû venir emménager à Sainte-Marie. Non, hein. Ça va être notre petit rituel à chaque fois de jeter une pièce. Lorsqu'on trouvera une fontaine comme ça. Si ça peut lui porter chance, va aux toilettes juste ici. Et puis après, je pense qu'on va rentrer. Non, d'abord, on va jouer au basket. Et puis après, on va rentrer. Voilà, elle fait son petit pissou tranquillou bilou. Et puis après, elle ira jouer au basket. Allez, dépêche-toi, ma belle, parce que bientôt, il faut rentrer. Il faut pas traîner. Il faut que tu fasses tes devoirs et tout. Demain, tu iras en cours. Et puis après les cours, ben, tu iras mendier des gens tout simplement. Elle ira pas tous les jours en cours. Il y aura des jours où elle va manquer et... parce que je la vois pas trop aller à l'école quoi. Elle s'en fout un peu de l'école. Voilà, elle a plus rien à perdre. Voilà, elle a acquis la compétence fitness. Pourquoi elle se change pas? Je comprends pas. Ah, j'ai eu peur quand même. Allez, fais-moi un dunk là. Elle est trop cute. Regardez-la, elle est trop mignonne. Oui, elle a réussi. C'est trop bien. Encore, oui. Et peu deux. Et deux, trois. Non, c'est bon, j'arrête parce que sinon je vais... Je vais jamais arrêter. Fais s'éclabousser par l'eau des toilettes. Ok. Elle va essayer de commander quelque chose. Est-ce qu'elle va accepter? Vous êtes intraitable en matière de négociation. Bon, je vous offre une réduction de 25% de tout ce qu'il y a sur cette table. Qu'en dites-vous? Ok, ça m'arrange. Merci beaucoup. Commander de la nourriture à petit prix. Qu'est-ce qu'elle pourrait manger? Allez, elle va prendre des samoussas. Allez, prends-toi tes petits samoussas, là. Il est où ton assiette? Ah, il est là. Allez, mange ça, et puis après, tu vas rentrer à la maison. Est-ce que lui, on lui a demandé de l'argent? Non, on lui avait pas demandé. Oula. Oui, je sais, c'est ultra caliente épicé. Ok, ça tombe bien. Ah, il nous a donné de l'argent. J'ai pas pu voir le montant qu'il nous a donné. Allez, demande-lui aussi de l'argent à elle. Et à elle aussi, et puis après, c'est bon, hein, on va rentrer. Allez, vitesse 2, là, parce qu'il faut rentrer. Là, tu vas rater le bus, sinon. Allez, je pense que là, tu vas rentrer. Elle va prendre le bus. Là, je vais juste enlever l'argent du bus, donc ça veut dire que ça nous fait 606 simflouz. Ça y est les gens, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, à commenter et à vous abonner parce que ça me fait toujours super plaisir et ça soutient ma chaîne. Jusqu'à là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye!